J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, comme d'habitude, on se retrouve pour l'épisode final de notre let's play sur Bully. Ça y est les gars, c'est enfin la fin. Je vais courir un petit peu pour éviter de me faire tabasser par les blousons noirs. Laissez-moi ouvrir la map juste pour regarder une petite chose. Alors, les gars, actuellement on a deux missions. Donc tout en bas l'étoile rouge c'est le défi des zonards et on a une autre mission. De toute façon c'est tout dans l'autre ville là-bas. Donc écoutez, écoutez, on va aller faire le petit défi des zonards parce que je vois pas pourquoi on a fait tous les autres défis sans faire celui-ci. Donc on va s'y coller, tranquillou bilou. C'est la fin les gars. Donc je vous garantis pas que l'épisode va faire 45 minutes comme les autres. Vous le savez, en général sur tous mes let's play, les épisodes finaux, on dit ça épisodes finaux, oui de toute façon, journaux, chouks avec un X, je sais plus. Waouh. Ah ouais, waouh, c'est la première fois que je vois ça. D'accord, très bien, on est dans la zone industrielle. Oui, sur tous les derniers épisodes de chaque let's play, j'ai toujours fait un épisode un peu plus long. J'étais à 4, je crois que c'était 1h20. J'étais à 5 aussi, c'était dans ces eaux-là. Donc voilà, si l'épisode déborde un peu, c'est totalement normal. Épisode final qui veut dire grand discours de fin d'épisode, etc, etc. Les gars, j'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de jouer, j'ai envie qu'on plie ce petit jeu de folie. Donc c'est parti les gars, on va se faire le défi des zonards. Je sais plus du tout en quoi ça consiste. Ce sera la petite surprise. It's a pretty cool game. It's all about killing things. Faut tuer des trucs et piquer leurs affaires. What was it called? Yeah. Grottos and gremlins or something like that? Oh pardon. Yeah. Hey, grottes et gremlins, pardon. I'm here to beat you up and evict you. Enough talking, let's fight. Let's. Ah ok, c'est une bagarre. Ok, débarrassez-vous de tous les zonards. Est-ce que j'ai un patator? Oui. Ah ouais. Là les gars, on se bat plus contre... Là c'est des darons là. Là c'est des gros darons là. Ils sont déjà en âge de donner une pension alimentaire, etc. Oh là là les gars, ça va commencer compliqué. Putain. Vous avez vu, les missions sont quand même pas si simples, hein. La mission de l'asile, j'ai galéré, hein, lors du dernier épisode. J'ai l'impression que ça monte quand même bien en puissance. Bon, avec un patator, ça serait tout de suite impeccable. C'est déjà fini? C'est parfait, ça. Le club des zonards est à vous. Très bien. Nouveau lieu de sauvegarde débloqué. Je pense pas qu'on va souvent venir dans cette zone industrielle, mais ça fait plaisir quand même. Allez, on se taille. J'espère que les musiques de fond sont pas copyright par contre, parce qu'après, je ne pourrai pas faire des petits shorts. Les petits shorts, c'est sympathique sur Bully, ça ferait plaisir. Pour les nostalgiques comme moi. Alors, je crois que la mission... Alors, c'est quoi? Vengeance contre Burton. Eh ben, c'est juste là. C'est parti, on y go. Allons-y, let's go! C'est parti, les carrés! What are you looking at? Nothing. Well, it looks like you're looking at me, scumbag. Like I said, nothing. Oh, come on. I don't want to fight you. My name's Jimmy. Zoe. I was at Bulworth once. I got kicked out. Why? Let's just say Mr. Burton is a dirty creep. Seriously? I would love to teach that guy a lesson. He bullies everyone. You know... He goes jogging every day and regularly uses the porta-potties in the park. Yuck. Yeah, so if we could catch him in one on top of a hill, then Mr. Burton could have a really interesting time in it. Yeah, but they're all chained together. We'll need to get some bolt cutters. Go get some from the Spaz Industries building and meet me at the park. Make sure no one sees you. Allez à la cacaillerie de Bulworth. Les gars, je suis en train de me demander c'est qui déjà Monsieur Burton. J'espère vraiment qu'ils m'ont fait un grand plaisir. Il y avait une petite grand-mère dans sa caravane, non? On pouvait y aller, ok.
Attendez, je peux pas passer par là? Ah non, je peux pas. Faut que je retourne sur la route. Ok. On va reprendre la route principale qui est là-bas. Ouais, les gars, j'espère sincèrement que Monsieur Burton, c'est le prof de sport. Oh, oh là là, mais quel plaisir si c'est lui. Je sais plus son nom, les gars, vous le savez très bien. Moi, je retiens pas beaucoup les choses. Mais si c'est lui, quel plaisir on va se faire de se venger. Au lieu d'acheter des trucs à la quincaillerie, moi, je serais plutôt allé à l'armurerie. Ah, j'aurais fait un crime, rien à foutre. Pas de respect pour ces gens-là. Pour les pervers. J'espère qu'on va lui faire une dinguerie quand même, ce serait bien. Alors, c'est où la petite quincaillerie? Je crois qu'il y a une pénurie de costards là, vous avez tous le même, les gars. Comme d'hab, on est en absentéisme, hein. Ça change pas. Pardon, monsieur, je suis désolé. C'est là la quincaillerie. Sweet. Pince coupante. Ok. Retrouver Zoé au parc. Attends, on l'aura fumé quand même ce skate. Hein. 70% du jeu, on se sera baladé en skate, quoi. Alors que je pouvais acheter un vélo, hein. J'avais quand même de l'argent et tout, mais. Là, vous me connaissez. Je suis un speed rusher. C'est rusher plus speedrunner. Non, je trouve que ça va. On a quand même pu visiter un peu toutes les villes. Je vous ai montré à un moment donné les activités livrées des journaux. On a juste pas fait quoi? L'émission secondaire avec les PNJ. Hein. Et puis d'autres petits boulots aussi qu'on n'a pas fait, évidemment. Mais pour la 100e fois, les gars, faites ce petit jeu. Faites ce petit jeu, vous allez kiff. Par où on rentre dans ce petit parc là? Parce que je suis en train de me perdre un petit peu. Ah ok, c'était par là. Désolé. Désolé, désolé. C'est là qu'on rentre. Excusez-moi. Je suis là, Zoé. Tu vas devenir notre meuf toi aussi. Merci monsieur pour le photobombe là. J'irai Tommy Versetti 30 ans plus tard. Ok, donc je pense qu'il faut défoncer les autres WC. On va bien s'éclater. Détruisez les WC avant que Mr. Burton ait fini son jogging. J'y vais vite fait, vite fait. Alors, comment je peux les détruire par contre? Patator? Ah, j'ai pas de patator. Ouais, mais ça marche pas ça. Ah non, faire ça plutôt. Ok, celui-là c'est bon. On a du temps comme d'hab, hein. Il y en a d'autres là-bas. Oh! Mais c'est lui! C'est lui ce gros bouffon! Oh non! Eh ouais, je me disais bien que c'était lui. Ah, t'es prof de sport, mais t'as pas de cardio, mon pote. Ah, si, quand même pas malin. Hein. J'ai l'impression qu'il en a plus que les autres du cardio. Bon, écoutez, on va faire courir, c'est pas grave. Ah, ouais, il a bien du cardio en fait, hein. Vite. Bah, alors là, si tu me rattrapes avec mon skate, mon petit pote. Allez, ciao. Merde, retournez dans le parc, merde. Oui, attends. Je suis là, Zoé, je suis là. Ta gueule, toi. C'est bon. Fais pas genre tu sais pas qui c'est. Des fois, les jeux est teubé quand même. Percuter les WC avec le tracteur. Oh oui. Bah, ah ok, on accélère avec. Ah putain, ça fait longtemps, ça me rappelle vraiment les vieux jeux PS2. Sur les GTA avant, on accélérait avec 1. Je crois que c'est qu'à partir de GTA 4 on accélérait avec les gâchettes. Je pense pas dire de conneries, hein. Bien fait pour ta gueule! Bien fait! Ah, comme je suis content! J'espère que t'en as mangé même.
for days with bleach. Oh, le plaisir. This is worse than when I got hazed. Ah, le plaisir. Bien joué, Jimmy. Bien joué, Zoé. Et encore, c'était une vengeance gentille, sympathique, hein. Another good deed done. Oh, est-ce que je peux le prendre, ça? Oh, magnifique. Allez, hop, on va se déplacer avec ça. Est-ce que j'ai le droit de rouler sur la route avec ça? Ouais, pourquoi pas, hein. Mais oui, j'ai oublié de vous dire, mais vous l'avez bien remarqué, de toute façon, les petits potes. Pour l'épisode pour l'épisode final, j'ai changé de tenue, j'ai mis une tenue unique. Petit blue. Alors là, ça va pas se passer comme ça. Aujourd'hui, je vous le dis, ça va pas se passer comme ça. Alors faites-les choquer. Mais j'ai posé pas cette teint. Ah, ce bon vieux TK avant qu'il devienne comme Monsieur Burton. Qu'est-ce qu'il était rigolo. Il est tombé en enfer. Mince. Merde. Ouais, faut que j'arrête là, parce que je me suis pipé la dernière fois. C'est bon, on va pas recommencer. C'est un tout autre sujet. Là, on est funky. On reste positif. Alors, c'est quoi cette mission? Vandalisme anti-bourge. Ah bah tiens, il y en a un qui vient de me jeter un œuf. Je vais me faire un grand plaisir aussi d'aller vandaler leur truc. Alors, c'est en haut. De toute façon, c'est chez moi. C'est moi votre boss maintenant. Donc Ah non, c'est plus moi, c'est vrai, oui, non, y a la dernière fois, j'ai perdu moins 75% là, sur leur truc. Oh, vas-y, commence pas, toi. À chaque fois, je me trompe ici, c'est où déjà? C'est là, je crois, ouais. Allez, go. Oh, ils ont tout cassé. Here he is, Mr. Big. Yeah, it was you, creep. What was me? Don't play innocent with us. I tried that when father caught me with Nanny. He gave me a good thrashing, and I've got half a mind to give you one. Hey, look, just get to the point. Someone stole our boxing trophies, buddy. They were heirlooms. Well, it wasn't me, rich boy, so relax. Well, if it wasn't you, then who was it? I bet it was those greaseballs. I know it. They've always hated us. There's so much for peace in our time, Popper. Just great. Let's get them. Yes, it's time to teach those poor, disrespectful scum a lesson. Wait, relax. Maybe it wasn't them. Maybe it was someone else. Nobody hates us, apart from them. Oh yeah, they do. Everyone hates you. You're all awful. Oh, la-dee-da. Now he tells us. You are pathetic, Hopkins. You're not a leader. Out of my way. Come on, men. Let's go. Okay. It's war. Hold on. Wait here. I'll go get your trophy back from those grease balls. Oh man. Eh oui, mais c'est aussi un peu de ta faute, Jimmy. Enfin, t'es trop utopiste. Tu voulais trop la paix. Tu voulais trop. Non, ça marche pas. Ça marche pas avec ces gens-là. Allez à la planque des blousons noirs dans New Coventry. On va devoir encore faire du chemin. Oh. On est où là? Mais les gars, je commence à être perdu moi avec toutes ces histoires. Oh là là, encore du chemin à faire. Et encore avec mon skate. Ah non, il est là, mon petit machin. Allez, c'est bon. Ah, ça fait plaisir de finir un petit let's play avec un quoi? C'est une tondeuse? Oui, c'est une tondeuse. Je suis fatigué, les gars. J'allais dire un chariot élévateur. Ça va pas, moi. Ah bah attendez, on va arrêter les conneries. Je vais prendre un vélo, là. Prendre le vélo, voilà. Oh, ça va bien plus vite en vélo. Ah oui, incroyable. Bon, je l'ai laissé en plein milieu de la route, désolé. Une tondeuse gratuite. Ça coûte combien ces trucs comme ça là? 3000 balles, non? Ça vaut cher ces trucs, non les gars? S'il y a des jardiniers qui regardent les épisodes, laissez-le en commentaire, hein. C'est pour la cause. Le policier, il m'a vu. C'est bon. Allez, on va aller récupérer leur vieux trophée là. Attendez, je passe par où? Parce qu'à chaque fois je me trompe ici. Ok, sur la droite. La planque des blousons noirs, alors que c'était censé devenir ma planque. Moi je comprends plus rien. C'est toujours l'anarchie dans cette ville. Ah! Ah!
All right, Vance. Did you guys steal the Preppy's trophies? No way, man. After the townie's been saying all that stuff about Lola and made Johnny crazy, we don't care about those stuck-up jerks. Voilà, moi je savais bien que c'était pas vous. Really? Yeah. And Johnny says you're no friend of ours anymore. But since you got him out, I'll let you walk. Ouais, c'est bien, merci, ouais. Well, since I already beat you, I guess I believe you. Voilà, merci Jimmy de remettre les choses au clair. Fouiller l'entrepôt de la zone industrielle. Il est où mon vélo? On m'avait encore pété à mon vélo. Ah non. On m'a volé mon vélo que j'ai moi-même volé. T'as, c'est Inception. En fait, ouais, je crois vraiment que ce chapitre, c'est beaucoup de missions avec les zonards, hein, finalement. Ah ouais, c'est tout là-dedans, là. En fait, les zonards, c'est un peu les tziganes, quoi. C'est les gens du voyage. Tous en caravane et tout. Alors. Je me suis pas trompé de chemin, rassure-moi. Non, c'est bon. Encore ici? Trouvez les zonards qui mettent des rats dans les caisses et prenez une photo. Oh non, putain, c'est encore un truc infiltration. Putain. Oh les gars, je m'amuse plus à aller accroupi. J'ai bien vu qu'à l'asile, ça servait à rien. Ow, it bit me. Better hope you don't get rabies. I can just imagine the look on their face when they get another crate of rats. Allez hop, petite photo. Alright. All the little nerds running around screaming like girls. Allez jusqu'au quai. Là, vous avez pas autre chose à faire, vous êtes des vieux darons, vous vous en prenez à des gamins quand même. C'est grave. Est-ce qu'on peut passer là? Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Oh, c'est beau ça, Jimmy. On joue à Bully ou on joue à Assassin's Creed là? Yes, super, y a pas d'autre plateforme. Très bien. Très bien. Pourquoi je prends l'accent corse? Ok, j'ai rien compris, je comprends rien à ce qui se passe. Oh les rats, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Les gens, c'est des fils de pute. C'est où les quais encore? Cassez-vous. On peut passer là? Oui. On aura vraiment visité, j'ai l'impression, tous les lieux, quoi. On n'est pas venu là, hein, depuis le début du jeu. Photographier les zonards avec les trophées volés. Oh, nul ça, nul. Les pauvres. Non, on n'a pas pu lui faire un... Pour une fois, un Assassin's Creed. Une élimination discrète. Photo ratée, quoi? Retourner à la salle de boxe. Ah, il m'a vu lui? Pardon monsieur, je suis désolé. On aurait dit Hitch un peu, le film de Will Smith. Putain, je me suis bloqué encore une fois. Un petit élastique, ça c'est cool. Je peux pas passer là? Oh, mais par où je suis passé tout à l'heure? Putain, je me suis bien bloqué là. Ah, c'était là, pardon. Ouais, ouais, allez, ciao. J'adore les bandes son de ce jeu. C'est une valeur sûre. T'as un petit vélo, ça ferait plaisir. Est-ce qu'on peut couper par là? Non, évidemment que non. Attendez, ouais, vraiment, faut que je retourne encore tout là-bas, quoi. Oh. Ah, de refaire le jeu, vraiment, je pense que le point négatif quand même, c'est de pas pouvoir avoir de voiture, tout ça. Faut vraiment trouver un vélo, parce que sinon c'est très très long.
même si la ville est petite, hein, y a pas une superficie de malade. C'est, ça prend quand même du temps en skate. Et puis voilà, le gameplay, comment dire, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas forcément le gameplay, c'est la physique. C'est normal, hein, ça a pris son petit coup de vieux et tout, mais les trottoirs, c'est infernal. Vous rentrez dans un trottoir, ça vous freine, vous pouvez plus repartir, tout. Enfin, ouais. Attendez, quand je parle de vélo, impeccable. C'est pas mon vélo de tout à l'heure. Vol. Et moi, on va m'accuser de vol. Ah, il était là. Il était là, mon vélo, j'ai l'impression. Je vous jure que c'était le même là-bas. Avec les mousses au-dessus du guidon, là. Comment ça s'appelle, ça? Les poignées, c'est des poignées. Eh, c'est vendredi, les gars. C'est la fin de semaine. J'ai travaillé toute la semaine. Là, je suis fatigué, je vous mens pas. Regardez, je commence à me tromper, à faire nimp. Ouais, non, bah ouais. Là, on va se bloquer, évidemment. On va se bloquer. Où est-ce que je peux passer par... Attendez. Ouais, de toute façon, c'est l'épisode final, je vous ai dit, hein. Prends le temps. Si on se trompe, c'est pas grave. S'énervez pas. J'avais promis à Mr. Jack School que je ne faisais plus de cut. Et il a bien raison. Faut vraiment qu'on reste dans l'immersion totale. Tant pis, les gars. Si ça fait une heure et demie, ça fait plaisir. Et voilà. Du coup, je me suis bien trompé. Je pensais qu'on pouvait couper là. Maintenant, il y a des rochers. Ah, peut-être par là. J'ai rien dit. Dites-moi que oui. Ouais, c'est bon. Ouf! C'est cool. Tenez les boys. Les mouillasses. Well, Pauper, what did you find? Yeah, who took our trophies? Don't tell me. It was the Tooth Fairy. Ils veulent trop parler comme des darons. Either it was the Tooth Fairy or the Greaseballs. I wonder which one. Actually, trust fund babies. It was neither. It was those townies. Which townies? The ones who hang out by the factory. Them? Why would they steal our trophies? J'ai les photos. Don't talk crap, Hopkins. I'm not. I've got a picture to prove it. Why? They don't have any problems with us. Yeah, poor kids just love rich kids who act like stuck-up jerks, don't they? Listen, you overfortunate numbskull. They did everything. Put Johnny Vincent in the home, let the rats out of the library, everything, including your trophies. Why? Because I listen to Gary. So it is your fault. No, it was Gary's fault. You, my friend, have got delusions of grandeur. Nobody cares about you or Gary. You're ridiculous. Come on, Biff. Let's leave this king of the school to his pathetic little fantasies. You are an idiot, Hopkins. I've got a photograph. C'est vraiment un grave, vous êtes naïf, hein? You know what you can do with that, don't you? On a fait tout ça pour rien, là. On a fait tout ça pour rien, ça veut dire. Oh. Respect des bourges plus 15, j'en ai rien à foutre. J'aurais préféré ne pas avoir de respect de leur part. Et voilà pourquoi je voudrais pas de respect de leur part. Ils vont venir me faire chier encore. Il y a des darons partout, il y en a pas un qui m'aide. Allez, cassez-vous, bande de bouille. Cassez-vous, c'est moi qui me casse. Oui, c'est ça, c'est moi qui m'en vais. Pour vous, mademoiselle Phillips. Oh, lo, attendez. Eh oui, c'est dans le lycée. Aïe, aïe, ouille. Ah, les gars, vous savez qui c'est, mademoiselle Phillips. Autant monsieur Burton, je me souvenais pas. Enfin, j'ai jamais trop vu son nom, en fait, parce que ça m'intéressait pas, quoi. Mais mademoiselle Phillips, je l'ai bien retenu. En plus, si c'est une mademoiselle... Oh, merde. J'ai pas fait exprès, le poteau. Si c'est une mademoiselle, ça veut dire qu'elle est pas mariée. Elle est peut-être en couple, peut-être, mais elle est pas engagée. Non, je rigole, les gars. Peut-être pas les chiens, comme ça. S'il y a une go qui vous plaît et qu'elle est en couple, passez votre chemin. Des go, il y en a 3 milliards. Même presque 4 milliards, je crois. Mais mademoiselle Phillips, c'est une crush à Jimmy. Donc on y va. On va lui faire cette fleur. Allez, c'est parti. Aïe, 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 aïe. Allez, je me tais. Moment Jimmy sentimental. You've interrupted me. Pardon, oh, madame, je vous aime. Sorry. Don't worry about it. Can I see? Sure. Take a look. I think I have finally caught the essence of what it means to be a banana. I really feel my work is moving forward. Here's the thing. Art is lost on me. I've always been more into music. You know?
Having thoughts for another really makes your work glow. How do you mean? When people do things, incredible things, when people blossom and grow, that really moves. On était bien proche là. Not really. Vous êtes amoureuse de moi? Oh là là! Very special. Oh là là! Would you mind going to collect a few things while I... Aïe, 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 aïe. Tout ce que vous voulez, madame. Je suis votre ayant cli. Ah, vous serez parfaite à mes yeux, pas de problème. Tonight? Wow, of course. C'est légal. Is this legal? Of course it's legal. Whatever can you mean? Now go on, my dear. Ah, elle a tâté les muscles, elle a tâté les épaules, hein. Pou pou pou. Bah là là, elle va avoir petite robe, petit collier en perles, petit parfum. Ah, vous allez me sortir le grand jeu, madame, hein. C'est légal. Pas de problème si c'est légal. A l'inverse, c'est pas du tout légal. On insulte des grands morts et on se bip les épisodes. Par contre là, Jimmy Hopkins, 15 piges. Avec une prof qui doit avoir, je sais pas, vu sa dégaine, elle dort la quarantaine. Quarantaine bien conservée, pas de problème. Ah là, c'est légal. On n'insulte pas, on rentre dedans à fond. Quelle hypocrisie! Hypocrisie! Allez, bref. Qu'est-ce qu'on lui achète là, du coup? On lui prend tout, on a tout économisé pour elle, on a 800 balles, on a 15 piges, on a 866 balles. Ouah, attendez. En vrai. Ouah, je peux pas me refaire couper les cheveux, remettre ma dégaine. Est-ce que vous avez quoi comme coupe? C'est les mêmes coupes qu'avant. Ouah, mais c'est quoi ces coupes dégueulasses? Ah, mais j'ai plus mon crâne rasé à l'ancienne. Putain, dommage. Ouais, on va laisser comme ça, du coup. Ça va, avec la casquette, on voit pas que j'ai des cheveux. Je suis dégoûté d'avoir mis cette coupe, là. C'est pas trop mon délire. Je préférais son vieux crâne rasé de 15 piges. Cassez-vous de là, vous. Putain, vous voyez pas que j'ai une soirée importante à faire là? Tiens, il l'a acheté sur le bourge. Tapez-vous devant le commerce. Collier de perles, très bien. Et il reste qu'une dernière chose à aller lui acheter, la petite robe. Cassez-vous. J'ai pas votre temps, moi. Moi j'ai 15 ans, je vais faire une soirée avec une prof. C'est jaloux, bande de jaloux. Ah, mais ils me suivent encore. Mais c'est quoi ces rageux là? Vous êtes grave des jaloux, vous, hein. Sortez avec la meuf de la cantine là. C'est bien votre délire ça. Qui sent la clope et tout. C'est grave votre délire ça, les blousons noirs. Ah, ils ont grave la rage contre moi. Eh, écoute. Un moment, faut savoir dire stop, stop au harcèlement, stop, erase me, bitches. T'es où toi? Y'a pas de problème, envoie tes coups. Voilà, tu veux te manger un mur comme dans American History X? Tu veux manger le trottoir? Allez, bim, voilà, il est pas mort. Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Allez, mange ton uppercut, Mac Tyson. C'est où là ton truc? Putain, c'est encore là-bas, sur la gauche. Putain, vous êtes grave des jaloux, hein, des haters, je vous jure. Ils ont entendu que j'allais me faire une petite soirée romantique avec la prof d'art plastique. Ils ont pris le démon Fada. Oh, le skate sur la terre, c'est affreux. Puis on va où en plus? On peut pas passer par là. Ouais, je vais plus vite à pied, je vous jure. Attends, mais on va où là? On peut pas passer là. Oh, je dois faire tout le tour. Putain, les gars. Les transports, je commence à regretter mes bolides de GTA. C'est quoi ça? Oh, le dernier transistor? Eh ben. Bon bah on ira peut-être apprendre si on a une dernière mission au lycée. Le dernier coup avec le sans-abri là de l'autobus. Comme ça on aura tout fait, c'est bien.
avez vu, c'est les trottoirs, moi, qui me rendent fou dans le jeu, je vous jure. What's up? Voilà, là, la robe est rouge comme ça. Oh, mais incroyable, incroyable. Ce sera censuré, les gars. Si vous voulez le résumé de la soirée, ce sera sur un autre site. Hein. Pas sur YouTube, hein. Vous m'avez compris. Je me fais un petit kiff. Hein. Y'a pas une autre dégaine, là? Oh, Jimmy. Oh, mais casquette à l'envers, c'est section d'assaut en 2010. Voilà, ça fait daron. Petit bonnet comme ça, c'est pas mal aussi. Ou en mode Bob. En mode gradure, non? Peaky Blinders. Ouais, y'a quand même pas mal de trucs, hein. Et y'a quoi en haut? Maillot de foot? Non, pas maillot de foot. Maillot de rugby. Maillot de foot vert. Foot noir. Ok, bleu. Non. Y'a pas un... Moi, j'aime bien les suites à capuche, les gars. Même en vrai, je mets beaucoup de suites à capuche. Je suis fan. Vous voulez qu'on se fasse beau, là, pour la prof, là, mademoiselle Phillips. Voilà, suite à capuche zippé noir, hein, mais je suis pas fan. Ça encore, c'est pas mal. Ou un petit Bombers. Ça, ouais, mais ça fait trop bandit, ça. Blouson en jean. Blouson en jean, sinon. Mais on met un petit blouson en jean, on se la fait en mode piqué. Ouais, ça, on va pas... Pas de survêtement vert, y'a pas un vrai jean qui irait avec ma veste. Short, non, Bermuda, non. Short de foot, non. Jean râpé. Bref. Bof. Treillis de l'armée. Oh non. Pas de survêtement noir. Jean de sport. Est-ce que c'est mieux le jean de sport ou le jean neuf? Ouais, vas-y, on va laisser celui-là. Mocassin de ville. Botte branchée beige. Oh, j'aurais pensé que ça ressemble à des Timberland, moi. Chaussures de ville en toile. Vas-y, ça c'est bien. Hein. Puis juste on change la tête. Je suis en roue libre, les gars. Hein, vous le voyez. Je suis en total roue libre. Petit béret de daron. Non. C'est quoi cette casquette, là? Vas-y, tu sais quoi? On le met comme ça. Allez, épisode final, feu d'artifice. Non, mais non! Mais pourquoi ça m'a pas mis les autres habits? Ah, ok, faut valider. C'est pas ça qu'on avait mis. C'est lesquels qu'on avait mis? Chaussures coquées chocolat, non. Caramel, je crois que c'est ça. Aïe 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 aïe, voilà Jimmy. Bien joué ça. Les gars, j'ai des petits conseils en mode au cas où. Hein. Moi je vous le dis, RP, vous m'avez jamais vu, mais j'aime bien me saper. Enfin au moins avoir de la logique. Ah mais ils sont encore là, mais c'est incroyable. Et faut jamais mélanger deux couleurs en jean. Je sais plus où c'est que j'avais vu ça, mais c'est vrai. Bon là, y a pas de jean de la même couleur que la veste, dommage. Mais bon. C'est une artiste, mademoiselle Phillips. Prof d'art plastique, tout ça, là je me suis habillé, petit béret à l'envers, ça fait un peu artiste quoi. Je me suis mis frais pour mademoiselle Phillips. Là, je pensais pas qu'on allait la pécho dans le jeu. Hein. C'était notre crush inconsciemment. Moi je me souvenais plus du tout de tout ça là. Incroyable quand même. Le destin fait bien les choses, non? Elle est où mon crush? Intrusion? C'est pas grave. On fait soirée chez elle ou dans le bureau en mode... Madame, on fait quoi là? Vous m'emmenez en voiture? Ah, je me suis fait tout beau pour vous. Y'a pas de soucis. Thanks. Changez-vous, je vous attends. Oh man, I can't believe this. My first time with a teacher. Il est à fond. Oh, man, this is gonna be great. Hey, qu'est-ce qu'il veut lui? What are you doing? J'attends ma meuf, si t'arrives. Ah,
Well, it's a little awkward, but since you've been such a good friend to me, Ms. Phillips, huh? She's asked me, of all people, she, can you believe? Quoi? She's asked me on a date. Wait, she asked you? N'importe quoi, c'est à moi qu'elle a demandé ça. What? Yeah, I mean, I think there's been some sort of mistake. You sure you haven't been hitting the bottle again? Ouais, grave, il est bourré. Il dit nap. Yes, I am sure. Well, okay then. Hitting the bottle. Lionel, you came. You've oh là là, oh, le so missile. Thank you. Oh là là. Jimmy, what are you still doing here? What do you mean? This boy is an angel. Bah oui, je suis un ange, je suis votre ange. He is so cute. Cute, nice. Come on, Lionel, let's go. Bye, Jimmy. Oh, no. Jimmy, you should get back to school. Oh wait, non, Ms. Phillips. Aïe. Ah. Oh, man. Oh non. Ah, mon cœur. Mon cœur s'est brisé en mille morceaux. Aïe, ça pique, ça fait mal. Rupture amoureuse. Ah, aïe. Ah, les gars, j'arrive pas à m'en relever. Attendez, je cours quand même pour pas me faire attraper. Oh non, les gars. Mais non. J'ai fait tout ça, en fait, c'était pour sortir avec lui, là, le prof d'anglais, de français, je sais pas, c'est un prof de quoi, ce vieux machin, là. Il est pété au vin toute la journée, il arrive à sortir avec des missiles pareils. Oh, la robe rouge, elle était incroyable. Très belle femme, mademoiselle Phillips. Tout ça pour ça. Et moi, je pensais, naïvement aussi, je pensais que c'était pour moi, c'est vrai. Mais je pensais qu'elle sortait avec le clochard. À un moment donné, elle, je sais pas, elle traînait près du bus et tout. Oh là là. Oh, je suis... Oh, je me sens pas bien. Pour la peine, voilà, je vais avec les gens qui ressemblent à mon avenir. Voilà comme je vais finir. Ouais, ouais, je vais m'entraîner, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait? Merde, c'est pas ça. Oh là là, on te fait des Hadouken. Oh là là, Superman Punch! Relève-toi, y'a que la bagarre dans ma vie! Y'a pas d'amour ici! Et bim! C'est bon, ça te va? Je suis vengé sur toi. Bon bah voilà, du coup, on aura fait toutes les. On aura fait toutes les missions avec le sans-abri. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il est en train de construire un vaisseau spatial, c'est quoi le délire? Ah ouais! Incroyable! Non mais c'est quoi cette dinguerie là? Mais je suis en train d'halluciner dans cet épisode, je vous jure. C'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. Bref, allez, on va changer les idées. Oh, il faut encore qu'on retourne. Il faut encore qu'on retourne jusque là-bas. C'est un enfer. Oh là là les gars, attends. Ah, je tombe de haut là. Vraiment. Oh, elle devait sentir bon et tout. Petit collier de perles, robe rouge, incroyable. Et tout ça pour me briser le cœur, me dire que non, me dire que c'était pas avec moi. Ah non les gars, franchement j'ai mal pour Jimmy. Là. Ah, elle a la rage du coup. Du coup, on a une vieille dégaine d'artiste peintre là, pour rien. Fou! Ah, je suis dégoûté. Allez, c'est pas grave. On reste focus, tant pis. C'est la vie, c'est comme ça. C'est quoi les trucs? La bousillage et le collecteur. Ok. Dis-moi pas que je me suis encore trompé parce que ça va commencer à m'énerver tout ça. Non, ok, c'est là-bas. C'est dans toute l'autre partie de la ville, forcément. Ah, je suis vénère, les gars, là. Il y a un blouson noir qui veut stocker, il n'y a pas de souci, là, je suis prêt. Quel dégoût. C'est bien, là, au moins, c'est des missions de nuit, parce que des fois, sinon, on doit aller se coucher, dormir, pour que ça débloque les missions. Il va encore être des missions avec les zonards, ça. Collecteur. Ouais, vas-y, ça veut se taper direct. N'importe quoi.
On a la classe quand même, j'aime bien. Oh, c'est quoi ces machins? On dirait Bruce Lee, je vous jure. I'm sorry. Did I hurt you? I'm sorry. Ah, now we're even. Ah, my nose. How you doing, Clint? Me? Just fine. Top of the world. Yeah, I can see that. You seem really balanced. That's what my shrink said. Then I headbutted him like this. Whoa, okay, man. All right, buddy. You think I'm a moron, don't you? You think I'm a joke, huh? No, man, relax. You want me to headbutt you? You want to fight me? Because I'd really like that. Come on, man. We don't need to fight. We're friends. You know that. Really? Then get me a bike. I want a bike or I want to fight. All right, I'll get you a bike. Wait here. A bike. Yeah. Là, les sous-titres Rockstar, ils avaient la flemme à la fin du jeu. Ah, mais. Oh. Mais Clint. Mais il est teubé, je il est con lui. Ah non, mais ok, c'est ton. Vous êtes tous jumeaux ici, c'est incroyable. Après, on dit que c'est les bourges, les consanguins. Je lui vole un vélo apparemment. Ah, il s'était vraiment habillé pareil, j'ai pas vu que c'était pas le même. Est-ce qu'on peut grimper là? Oui. En face. En face, il y a un vélo. Voilà, tu me feras pas chier comme ça. Apporter le vélo à Clint. C'est vraiment le chapitre des zonards. Tiens Clint, il est parti ton jumeau là qui est cinglé autant que toi. Tiens Clint. Ah non, faut te le mettre. Ok, excuse, c'est bon, s'embrouille pas. Tiens Clint Eastwood. Voler un autre vélo pour Clint. Putain, mais il va faire une concession le gars. Il y en a un juste à droite là-bas dans l'herbe. Ah mais j'ai peur de voler un vélo et que ça parte en embrouille. Eh bah ouais, forcément. Forcément. Vite. Oui mais c'est ce que je veux faire. T'as tes potes, ils veulent pas me lâcher là, c'est bon. Lâche-moi toi. Encore un? Oh là là. Il y en a un où là? Derrière, juste derrière moi. Il faut lui voler tous les vélos. Il est là. Oh mais encore la police. Putain. Ils ont plus de cardio, ils ont pas de cardio. Et bim. Incroyable. Avec cette tenue, j'ai encore plus de compétences, les gars. Je suis un meilleur voleur, un meilleur filou. Veste en jean de Barlou. Je peux voler tous les biclous. Bim. Oh là là, incroyable. Incroyable ce que je viens de faire. Par contre, j'espère qu'ils ont des pop, parce que sinon, je me fais niquer. Ah bah voilà, enfin. Ah, je croyais qu'il fallait lui voler les 5 vélos. Là, on gagne des $50 maintenant, incroyable. You can count on Jimmy. Tu peux compter sur Jimmy qui vient de dire. Exactement, tu peux compter sur moi. Alors. Putain, il n'y a pas l'autre mission, du coup elle s'est bloquée. Où est-ce que je peux aller sauvegarder? Là-bas j'ai une planque, tout droit. Laisse-moi tranquille s'il te plaît, je vous en supplie, laissez-moi un plan. Ah mais, c'est quoi là qui vient de se passer? On va tirer dessus, on lance roquette les gars, j'ai rien compris. Ah ouais, mais là faut aller dormir, là c'est le ghetto, c'est le Bronx là. Sirène de police, lance-roquette. Alors, on va récupérer des munacs. De la vie aussi serait bien. Voilà. Come on, Sugar Rush. Hop. Et un petit somme.
On est vraiment en mode délabré, on va plus à l'école. On s'est habillé comme un gangster. Bref, n'importe quoi. On finit bien le jeu. Incroyable. Alors, allez voir le directeur, ok. Mais j'ai pas l'autre mission du coup. J'avais un truc là, le collecteur ou je sais pas quoi. Ok. Bon, comme prévu les petits potes, hein, l'épisode dépasse. C'est tout à fait normal. C'est la fin, c'est l'épisode final. On apprécie, on prend du plaisir. J'espère que vous êtes divertis. Moi de mon côté, ça va plutôt pas mal. Je voulais déjà faire mon discours de fin. Le discours. J'écris rien, rien du tout. Hein, c'est... Oh. C'est pas moi qui cherche, ok. C'est du total freestyle, hein, mais voilà, dire mon ressenti, ce que j'ai pensé du jeu. De le refaire après tant d'années. Voilà, on garde ça pour la fin. Le trottoir, on a pris l'habitude, on se fait pas avoir. Ah, il y a un cours. Ah bah écoutez, on va aller se faire un petit cours aussi quand même. Bon, je suis pas du tout en tenue, mais apparemment les pions ça les dérange pas. Je sais que normalement il faut se mettre en tenue. Sinon les pions nous courent après. C'est un cours de quoi? Oh, si c'est un cours d'art plastique, c'est vraiment de la torture. Ah, c'est un cours d'art plastique, je crois. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, la torture de cet épisode. Wow, madame, oh, ça s'est mal passé votre soirée ou quoi? Vous avez l'air tendu, hein. Allez, c'est parti. Aïe, 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 aïe. J'ai réussi à l'avoir, cool. Ici. Ils vont m'attraper. Incroyable. Ah, j'en étais sûr. Sur le gong. Attendez, mais j'ai même pas le temps d'atterrir. J'ai même pas le temps d'atterrir. Oui, c'est ce que je viens de dire, tout à fait. Voilà, pète la bombe. Hop. Ah les gars, c'était chaud, c'était mort. Voilà, c'est à cause de vous aussi madame. Je suis plus concentré. Vous m'avez brisé le cœur. Ah si, c'est de votre faute de toute façon. Décrochage scolaire, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous tout ça. Vous ne m'auriez pas brisé le cœur. Vous m'auriez laissé observer cette robe rouge. J'aurais été le meilleur élève du lycée. Allez, on passe à autre chose. On va voir le directeur, le proviseur Skinner. Ah, Hopkins. Now, I'm not one to give in to popular sentiment. You can tell that by your clothes. What? I'm saying you dress great. Irrelevant. As I said, I am not a people pleaser, but in your case, I'm going to make an exception. An exception? Cool. Yes, you are without a doubt the least popular boy in the school right now. Even that fat child who wets himself is more popular than you. Coincidentally, it has also come to my attention that you are a filthy, dirty, foul-mouthed, awful little vandal. Yeah, well, we already knew that. Very droll. A comedian till the end. Well, you'll have to pursue your comedic talents elsewhere, boy. Bulworth is not for you. I'm not the one who's funny. You know what's funny? You. You're a joke, you old creep. You and your stuck-up, lame-ass school with its bullies and sex-pest teachers. This place is a dump, and you're a big-nosed freak. This school rewards losers and bullies. I just stand up to them. You painted obscene graffiti on the town hall, boy. I have it on good authority. It was you. Oh, yeah? Then who squealed? Tell me that. A commendable pupil did feel the need to tell me you were responsible for this outrage. Gary Smith. Look, I may have painted a few jokes on the town hall, but that kid likes to torture people. Gary Smith is the next head of this school. He's responsible, courteous, and not afraid of being an unpopular leader. You are blind, old man. Ah, je dis rien. Blind. Je dis rien, mais la colère monte. I tried to contact your mother, but she's still off on a cruise. Until I hear from her, I will have to let you stay here in your room. But you may not wear the school uniform or attend class. Bon, bah les couilles, je le portais déjà plus ton uniforme. You are leaving the academy to attend to your education elsewhere. Now get out. Whatever, man. Rien à foutre. De toute façon, je vous aime pas, j'aime personne ici. Vous avez vu, Jimmy, il a lâché un petit pic. Il a dit, ouais, il y a des profs aguicheuses dans votre lycée. Vous avez été renvoyé. Ok, pas de soucis, c'est comme ça. C'est très bien.
On va sauvegarder quand même, les gars, vu que ça dépasse, ce sera un long épisode. Dortoir des garçons, ouais. Voilà. Continuez. Ok. Cassez-vous tous là, parce que là vraiment je suis pas d'humeur. Ça va finir très très mal cette histoire. Intrusion acte 1. Ok. Hey Jimmy, how you doing? Terrible. Everybody hates me. Everybody might hate you, but everybody laughs at me. Yeah, that's true. Those kids are jerks anyway, but I tried. I know. I mean, I tried to do the right thing, make people happy, stop all the fighting, make everyone calm down. Now everyone laughs at me. People used to be scared of me, and now I'm a joke. It was Gary. It must have been. I know. I can't deal with the fact that that kid beat me. Well, it ain't over yet. God, one minor setback, and you're acting like a baby. You're pathetic. I've been expelled. T'as raison, I'm just waiting for my mother. Parle-moi avec ces mots-là. 58th honeymoon, then I'm out of here. How was that a minor setback? Losers! Oh, shut up, you non, fat mais... dork. Whatever. You and your has-been friend don't scare me. See? Même lui. Like that laughs at me. We gotta prove Gary was behind everything. We don't even know if it was Gary. All we know is Townie kids beat up a bunch of Bulworth kids. I mean, I don't even care anymore. Well, we've gotta find out what's going on. Come on! Okay, but if we're gonna take on those Townies, we're gonna need a bunch of backup. Someone big who doesn't hate me yet. Russell. Russell. Eh ouais, Russell. At his house at Old Bulworth Vale. On va aller chercher Russell. Russell, les gros bras. Allez chez Russell, ok. On va aller chercher notre meilleur allié. Par contre, toi, tu vas me donner le vélo. Ça, c'est pour tout. Les premiers épisodes, tu m'as cassé les couilles. Petit wheeling, histoire de se rafraîchir un peu l'esprit. Voilà. Fallait bien que je vous le montre. Habite tout Russell. Ok. Tu vas pas me dire que Russell il habite dans le quartier des riches quand même. On en prend bien le chemin là. Je dis ça, je dis rien. Il a bien caché son jeu. T'habites où Russell? Ah ouais, t'habites dans une petite résidence. Je crois que t'habitais chez les Zonards dans une caravane. Ah ouais, Russell, belle maison, hein. Eh ben. Hey, Russell, I need your help to bust into the dropout's hideout. Oh, incroyable. Russell, tu peux tout détruire, Russell, viens. Monter sur le scooter. Aïe, aïe, aïe. Russell, on dirait Schwarzenegger. Suivez Russell. Ah bah voilà, attends, mais on aurait eu un scooter depuis le début du jeu, c'est magnifique. Par contre les accidents, attention. Oh, c'est jouissif le scooter. Ah, vraiment, ça me rappelle les anciens souvenirs hein, où on doit conduire avec A. Avec A sur Xbox ou X, hein, comme vous voulez. Mais oui, oui, je crois bien que les anciens GTA sur PS2, c'était ça aussi, hein, conduisait avec A. C'est quand même mieux avec les gâchettes, au moins ça simule vraiment accélérer à droite, freiner à gauche. C'est quand même mieux. Ah oui, mais en plus je crois que lui c'était celui qui se déguise en Père Noël, donc voilà, bien fait pour lui. Ah oui, pardon monsieur. Oh, j'ai cru qu'il allait mettre un coup de la corde à linge. Ah, c'est giga loin Russell, hein. Enfin merci. C'est fermé. Non mais allez, oui, allez.
Je dis plus rien, les gars. Je dis plus rien. C'est bon. Oh, ouais, boum boum, Russell, boum boum, ouais, ouais. Look so good. Oh. La police, ils ont peur de lui. Oh, Zoé. Ma goutte, oh, Zoé. Ah non, t'es avec eux. I don't think he wants to talk to you. And you can't get in while the power is out anyways. Les générateurs de la centrale sont en surcharge. Ok. Non mais je vais devoir me taper là. Patator direct. Zoé, t'es avec moi. Même contre tes potes. J'ai assez de vie, ouais. Ok. Il y en a un qui touche à ma Zoé. Il va voir. Zoé, par contre, c'est pas que je me rabats sur toi parce que j'ai été. J'ai rompu avec la prof d'art plastique. Hein. Je t'ai toujours trouvé sympathique, hein, je te le dis. Très mignonne, Zoé, très mignonne. Comment on se baisse là déjà? Ah, ok, fallait même se coucher. Ah, mais bande de tricheurs, venez pas m'attaquer. Quand je suis à terre, bande de tricheurs, va. Vous êtes pas des hommes. Vous êtes des clowns. Vous êtes des clowns. Vas-y, là. Mange ta patate. Toi aussi. Rambo des bacs à sable. C'est quoi ce succès? C'est quoi ce succès? J'ai jamais vu ça. Allô, bâtiment Red Star. C'est quoi ça? La posté maximale, ok, c'est le... Le lance-fusil, vous m'avez compris. Traverser le bâtiment de Red Star, vas-y, pas de problème. Il doit être dans le bureau. Faut rentrer là? Ok. Oh là là, ouais, ça tape du pied. Priez-vous un chemin jusqu'à l'usine chimique. Okay. Faut affronter Omar. Qui c'est Omar? Le bras droit d'Edgar. Mais c'est quoi tous ces blazes que je connais pas là? Mais qui sont pourtant si terrifiants. Il y a du monde là. Qu'est-ce qu'on fait alors? Par le dépôt ferroviaire. Ok. Bah viens, montre-moi le chemin un peu, non? Débrouiller tout seul, pas besoin de Zoé. Activé. J'ai l'impression que c'est Resident Evil, il y a des énigmes et tout quoi. Dis-moi ça, Jimmy. Ah ouais, ok. Oh merde, je me la suis pris dans la gueule. J'ai plus de... Merde, putain. Attention à la vie, attention à la vie. Eh ouais, attention à la vie. Ça a voulu me mettre des front kick front coup de genou bizarre. Trouve le bouton abruti, parle-moi bien. Je crois que Jimmy aime bien qu'on lui parle comme ça finalement. Tu t'es fait coucher direct. Qu'est-ce qu'il veut lui aussi? KO. Voilà. En fait, moi je suis con. Ah non, ok, fallait bien appuyer, c'est vrai. C'est bon, c'est ouvert. Parfait. Est-ce que je peux passer là? Oui. Oui, c'est bon, vas-y là, commence pas à me charrier.
Ok. Et puis là. Allez, dis-moi, donne-moi encore un indice là. Il faut la suivre. Ça va être là, je crois. Hang on, Jimmy. You'll see. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se taper? Cool shirt, Jimmy. Hey, baby. Hubble, hubble. Maman, reprenez-lui la clé de Lucie. Ah parfait, ça elle a fait diversion. On y va, on y va, on y va. Il est où Omar? Là. C'est qui ça? We don't like your kind around. Oh non. J'ai l'impression qu'il a plus de vie que les autres, lui. Tu vas prendre ton lance-pierre. Ah ouais, ça tire au pétard. Oh, je suis en train de me faire mêler mes morts. Lâchez-moi notre Furax qui est en ligne. Salut mon fufu. Je suis en pleine bagarre. J'espère qu'ils vont me donner du soda après tout ça. Parce que là. Oh là là les gars, je vais crever. Ok, lui il est mort. Double KO. Incroyable. Ah voilà du soda, très bien. Allez on rentre. Ouh bah c'est Tandax là hein. Ça se péta, hein, trouver Edgar dans l'usine chimique. Voilà, on a cassé la gueule à ton bras droit, Omar. Ça nous a pas fait peur, finalement. Utiliser. Vous connaissez le code? Très bien. C'est lui, là? Suivez Edgar. Ouais. Ah ouais, ils nous l'ont vraiment fait en mode ouais, Resident Evil quoi. C'est quoi ce truc là? Ramper. Je veux ramper. Ah putain, mais je suis con moi. Cette carcasse de Jimmy. Ok. Ensuite. Par où on passe? Là? La fourrie, elle est tout doux, les gars. Là, c'est showtime. Ok. Ensuite. Là. Parfait. Pareil là. Oh, je suis concentration. Je suis concentration. Allez, on se tape avec le Edgar de ses morts. Il est là juste en bas. Était pour utiliser le bouclier afin de parer les coups d'Edgar. Aïe, waouh. Prends, 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 Jimmy, prends. Donne-moi la truc là. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Ah mais le gars vraiment pas de courage hein.
Ouais, reprends. Ouais. Ouais, ouais, vas-y. Pourquoi tu tapes pas? Voilà. Aïe. Ok, j'ai compris pourquoi tu tapais pas. Jimmy, prends un tuyau contre le mur, s'il te plaît. Ah, tu veux te la jouer comme ça? Enchaîne-le au sol, Jimmy. Que des petits coups de tuyau dans ta gueule. Il veut pas se taper, hein. C'est un autre délire, c'est le nouveau Star Wars. Voilà. Frappe un homme au sol, pas de problème. Allez, bim, KO. KO. KO, petit bâtard. C'est bon? You had enough? You want some more? Come on, big guy. You still think messing with me is a good idea? No, no, no. Good. That's what I thought. Now, what made you think it was a good idea in the first place? Oh, man. I hate that school. My parents couldn't afford to send me there, and now I'm stuck in this dump of a town. On commence pas à nous faire le sentimental, là, le mélancolique. Gary? That backstabbing two-faced sociopath put you up to this? Ah, I bet he said the two of you would take over the school or some crap. Hey, how'd you know? Because he told me the same garbage. Didn't do me any good either. Come on. You're gonna help me make him pay for his lies. C'est bien ça, après une bonne bagarre, on devient pote. J'aime bien ce délire. You know, you're all right, Jimmy. Yeah, okay. See ya. Bon bah les zonards, c'est nos potes maintenant, c'est bien. I'm good. What can I say? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bagarre générale. Waouh. C'est bien ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, c'est où la bagarre générale? Ok, c'est là-bas. Ça a bien débordé, les gars. 1h08 pour l'instant. Je sais pas combien de temps il va faire l'épisode, mais bon, vous inquiétez pas, on approche tout doucement de la fin. Toi, mission finale. Bagarre générale, c'est parti. Let's go. What the hell are you doing here? Looking for you, Zoe. I think I'm in love. Don't be ridiculous. Haven't you heard? Heard what, my love? The school has broken out into a massive fight. Every gang and faction is fighting each other. What? Yeah. Oh, man, I gotta go. How am I gonna deal with this? I'm gonna need some serious backup. Where's Russell? Where's your buddy Edgar? Russell has been holed up in the Wonder Meat slaughterhouse, hiding from the cops. He's worried about going to prison after stealing that bike. Russell can comprehend prison? Wow. Look, I'll see you later. Well, what about love? It'll have to wait, Zoe. Duty calls. Aïe, 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 ouïe, on le savait bien. On le savait, Zoe, on le savait qu'on allait finir ensemble. J'ai jamais aimé personne avant toi, Zoé, tu le sais bien. Quelle enflure. Allez, encore une fois avec le skate. On va prendre un vélo avec le petit panier, c'est bien. Je crois qu'il y a grave les condés là-bas. Oh là là. Ah oui, en effet. Délivrer le seul de Wonder Meats. Ok. On passe par où, par là? Ah non, mais je crois en fait on est obligé de passer dans le machin. Vas-y, mais je tente ça moi. Pas de problème. Ils m'ont pas vu, je vais trop vite avec mon petit vélo. Je vais trop vite avec ça. Non, pourquoi je l'ai laissé? Pourquoi je l'ai laissé tomber? Pourquoi? C'est là-bas, faut pas qu'il me voit, faut pas qu'il me voit. Il me voit pas, 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 il me voit pas. Oh là là, Russell, je suis là. Tu pues la viande, mon pauvre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se taper avec les keufs. Russell, attends-moi. Mais c'est pas moi qui l'aide à se délivrer, c'est lui là. C'est toi qui m'aide, Russell. Vas-y Russell, cours, 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 cours.
Putain, je le rattrape même pas avec mon skateboard. Ah si, c'est bon. Waouh, vraiment, on est bien caché. C'est un génie, Russell. Là, c'est l'un des meilleurs persos du jeu, je crois. Edgar, tu viens avec nous? Hey Jim, this is your turf. What the hell's going on? The whole place has gone mental. Yeah, it's your old friend Gary. C'est grave, on lui fait penser à César Vielpando, lui. Psycho, and now he's got the teachers and prefects on his side. So? So, we run in there, try to stop the fighting, and find a way to deal with Gary. All right, one question. How are we gonna stop a load of kids from beating the crap out of each other? It's America. We go in there with threats and bribes until we get what we want. If all else fails, we beat the crap out of everyone. That's why I brought along backup. Russell likes to hurt people for peace. Cool. Then it's a plan. Damn! They're locked! Don't worry. Russell will get it. La tête dure, c'est la tête dure, tu tombes pas. Fouillez l'école pour trouver les chefs de bande. Il y a grosse bagarre générale à l'école. Tac tac tac, on va où? On va commencer par la gauche. Ça part vraiment en couille. Russell, tu nous suis? C'est bien. Y'a qui là du coup? Qui c'est qui se cache dans le dortoir des filles? Je pense que c'est les Fayot. Comme ça, juste un petit pronostic. Ah, même pas, même pas, ok. C'est les blousons noirs. What the hell are you doing, Johnny? Why are you taking orders from Gary? Shut up, Jimmy! You left us and everything went down the toilet. Gueule cassée maintenant, Johnny. I beat you once, I'll beat you again. Éliminez les blousons noirs, pas de problème. Destroy. Jimmy, des fois tu peux monter la garde, ce serait bien. Oh là 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 là, le coup du futur. Est-ce que tu veux du pchit dans la gueule? T'es mort? Il est mort. Laisse Russell tranquille, toi. Du soda, du soda. Oh, Russell est en train de se faire mêler. C'est bon. Fouillez l'école pour trouver les chefs de bande. Ok, on continue, on continue. Là, c'est le grand réglage de compte. Là, on s'en fout. Bon, je pense que l'épisode va faire 1h30, les gars. Je vous annonce d'avance. Et les pions, ils sont où? Les pions, le directeur, je sais pas, moi. Faites quelque chose, appelez la police, non? Moi je suis venu en scooter jusqu'ici, à cet endroit même. Ah bah il y avait toute la cavalerie. Hein. C'est vraiment un jeu injuste. Injustice ce jeu. Ted, I need you to help me. Get lost, Jimmy. You ain't nothing. Ils sont tous fracassés. On va faire pareil. Pareil que sur Johnny. Voilà, tu vas prendre ça d'abord. Et bien. Double truc. Voilà, parfait. J'ai plus. Non, je vais viser lui. Putain, les gars. Ce qui est chiant aussi, c'est qu'on peut pas vraiment avoir de garde. Voilà. Russell, j'arrive. Voilà, bien Russell. Batte de baseball, t'es vraiment un ange. T'es un ange. Un ange de la bagarre et de la destruction. Un dieu de la destruction. T'es pas Birus, t'es Birus, Birussel. Oh là là. J'ai de l'inspi, incroyable. Oh, on va devoir aller se taper contre les Fayot encore. Il reste qui encore là, les bourgeois, les Fayot. Ah, en fait, ouais, je comprends, ils sont tous un peu mélangés, dispatchés, quoi. Selon les territoires. Donc là, la salle de gym, à mon avis, ça va être les Fayot. Faites-moi mentir, le jeu forcément sera les bourges. Ah non, c'est bon, c'est les Fayot. Tu peux être les blonds là. Ils ont brûlé la mascotte.
Donc il a mis une veste de Che Guevara, vas-y, mais pour qui tu te prends? Allez, viens là, le Che. Ça va, ils sont assez faibles, ils ont moins de vie. Arrête d'admirer ton œuvre, toi, vieux pyromane, va, et bats-toi! Je vous jure. La Russell, il va se mêler dans des endroits, waouh, mais il t'a grave enlevé de la vie, la honte! Emma, c'est comme ça qu'on les fracasse, voilà! Voilà! Allez, on va se faire des bourges, le meilleur pour la fin. Ceux que j'aime le moins. Ils sont où? Là, par contre, ouais, ils vont vouloir nous faire chier. Ok. Olé. J'ai tapé une petite esquive très sympathique. Ah non, par contre, eux, ils sont restés dans leur truc, les bourges. C'était là, leur territoire, dans la maison Harrington. Russell, arrête de te taper, viens. Vas-y, vas-y, il veut faire que se taper, c'est bien. It's the thug. Don't worry, boys. Ah, les courageux, vous êtes bien restés en peignoir près de la cheminée. Hein. Mais il boxe, lui, ça fait chier. Ouais, ouais, mais il m'enchaîne bien là. Prends du spray dans la gueule. Incroyable, parfait. Heureusement qu'on a des armes quand même. Laissez Russell tranquille. Du soda il faut. Parfait. Retrouver Edgar dans l'école. Ok, viens Russell, viens. Parce que je suis sûr que Edgar c'est le genre de bonhomme qui se balade avec un opinel, avec un couteau ou quoi. J'espère qu'il a pas planté des gens quand même. On a que 15 ans, hein. Faut pas oublier tout ça. Il est où? Ok, dans le lycée je crois. Vas-y, cassez-vous de là. Attends, je vais ramener mon Big Russell. Allez, oui, jette-moi ton œuf de merde, c'est bien. Ça me rend malade. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais. Le seul, il a tapé tes potes et tu dis rien. Ah si, je crois qu'il s'en va. Il s'en a vexé. Wow. Ils ont peur de Russell. Voilà. C'est nab ce jeu. Oh, alors toi, dès qu'on va te retrouver, Gary! Gary! Gary, you little bitch! Sale ordure! James, I've been waiting. Enfin, toi contre moi. Personne sur notre chemin. L'heure de la vengeance a sonné. Viens là, Gary. T'as le même nom que l'escargot de Bob l'éponge. Et tu fais le malin. I won. I tricked everyone, starting with you, the head, the loser kids in town, and the prefects. Me, I won. You are sad, man. I might be sad, but I run your world, moron. And don't you forget it. You did all my dirty work for me, Hopkins. You're like a puppet, only dumber. Whatever. Let's finish this. Finissons-en. Allez, 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 c'est maintenant, les gars. C'est l'heure de la fin. Arrêtez de me faire patienter, là, je suis chaud. Pour chasser Gary. Waouh, ok. Oh, le bâtard. Heads up! If you prove to me one thing this year, it's slow. You'll never catch me, Hopkins. You're too trusting, Jimmy. From the start, you were pathetically naive.
Mais il s'est cassé la gueule, tu rigoles? Ah, et je peux même pas lui mettre des coups de lance-pierre ou quoi. Relève-toi, Jimmy, relève-toi. Y'a plus rien qui va nous arrêter là. Là, c'est la vengeance qui donne le pouvoir. Raconte tous tes trucs, j'ai pas le temps de lire, je suis trop concentré sur ma poutre. Raconte ça pour les viewers. Vas-y, jette ton machin. Voilà. Oh, je suis vénère. Il parle moi de domino, je sais pas ce qu'il raconte. Non, bande de tricheurs, j'étais à côté, va. Oh, les tricheurs. The thing is, if I win, you're just another punk. You win, and you'll be sent away even quicker for beating up the head boy. Why'd you do it, Gary? Because I can. Because making little people like you and the morons who run this place eat out of the palm of my hand feels great. But I never did anything to you. You would have if I'd given you the chance. Face it, I'm smarter than you. Oh, congratulations. You're smarter than me. You hate everyone and everyone hates you. Genius! The head likes me. I tied him up, turned his dumb school into a battleground, got kids expelled unfairly, put several others into therapy, and he still likes me! You're such a loser! J'espère que tout le monde t'a entendu. Well, at least my mom doesn't make her living on her back! You're dead! What are you doing? Incroyable. Est-ce que tu sais te battre, Gary? Est-ce que tu sais te battre, Gary? Ah, tu sais pas trop te battre, j'ai l'impression. Oula, par contre, il fait super mal. Il fait super mal, Gary. Oh, c'est incroyable. Heureusement qu'on a appris les coups chez le clochard, je vous le dis. Hein. Les gars, regardez la vie qui me reste. Il m'a cassé la garde. Il m'a cassé la garde encore une fois. Il va me KO. J'ai plus de vie les gars. Ah non. Putain, tout sauf perdre contre Gary quoi. Oh. Oh non, dis-moi pas que je dois tout recommencer. Ce serait drôle, tiens. Non, ok, c'est bon. Alors, moi, mettez-moi la vie max, voilà. Parce que j'ai commencé, je crois que j'étais un peu dans le jaune. On va se concentrer un petit peu, voilà. Fini de faire des conneries. Mange une patate dans ta gueule. Aïe, j'ai rien dit. Incroyable. Avec ta vieille tronche là. Patate dans ta bouche. Mange le mur. Oh, je suis vénère. Oh, je suis trop vénère. La prof d'art plastique, c'est à cause de toi. Toute ma rage, je la mets contre toi. Incroyable. Chasse au sol. Penalty dans la tête. Et bim. On a fini où? On est mort là, je pense qu'on est mort. Avec une chute pareille, je pense qu'on est mort. Smith, oh, mais l'autre il a été. Non, mais c'est n'importe quoi, ce jeu. Tiny boy. Yes, sir. Sorry, didn't see you there. You know, I think I may have judged you too unfairly, boy. Yes, a little rough around the edges, but you're a diamond, boy. A diamond. Thank you, sir. Now take out the trash, would you, Hopkins? My pleasure. So it was you who took on this monstrous little wretch, was it? C'est bien moi, ouais. Yep.
What a hero. A lone wolf. Uh-huh. Well, no. To be honest, sir, I did have a lot of help from some friends. Voilà, les amis. Like this girl Zoe. She got expelled. C'est ma meuf, Zoe. Complained about Mr. Burton hitting on her. Burton? Well, he's fired. I hope he Il brûle en enfer, voilà. Enfin une bonne décision. Never heard of him. Yeah, well, he keeps quiet. He's kind of shy. Bien joué, on n'oublie pas Pete. C'est bien. C'est un petit génie, c'est vrai. Super idée. Now about that letter to my mother. What letter? C'est quoi la lettre à ma mère? On doit écrire une lettre là? C'est quoi ce délire? Finally, everything is sorted out, more or less. Ouais, Jimmy, bravo! Bah, je crois que les gars, c'est la fin! Aïe, 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 une petite galoche de fin! Eh oui, c'est la fin en fait! Mais je suis con, moi! Je me suis fait surprendre! Ah, j'applaudis bien fort! Incroyable! Et ben voilà les petits potes, c'est la fin, épisode final, Bully, c'est terminé, quasiment une heure et demie d'épisode. Voilà les gars, j'espère que ça vous aura fait plaisir, moi en tout cas j'ai kiffé, la dernière émission, la mission de fin, là, de toute façon je vais appeler l'épisode final comme ça, bagarre générale, c'était vraiment que de la baston, c'est parti dans tous les sens. Ah là là les gars, quel plaisir, ça y est, ça aura quand même fait 12 épisodes, ce qui est quand même assez long. On va pas dire le contraire, 12 épisodes c'est quand même long, même s'ils font que 45 minutes. Voilà, ça prend quand même son petit temps. Je crois que tout le mois de mai là, parce que vous savez j'enregistre ça bien en avance, là j'enregistre ça le 14 avril. Donc je parle pour le futur, donc tout le mois de mai ça aura été du Bully. Moi j'aime bien faire ça les gars, je préfère pas mélanger les jeux, qu'on garde un seul et même projet pour garder l'ambiance de la chaîne, qu'on parle que de ça, que les shorts aussi ce soit par rapport à ça. Voilà, j'aime bien quand tout est rangé, organisé, qu'on soit dans le thème. Donc là, c'est vraiment un vrai plaisir d'avoir fait ce petit Bully. Moi, les gars, j'ai fait ce jeu en 2006, quand j'avais, bah du coup, j'avais quel âge? J'avais 11 ans. Ouais, quand j'avais 11 ou 12 ans, j'ai fait ce jeu pour la première fois sur PlayStation 2. J'avais adoré, parce que vraiment, j'aime les GTA depuis que je suis tout gamin. Donc là, quand je lisais les magazines, je me rappelle... Et que ça disait, enfin ça parlait de un GTA dans un lycée. Forcément moi j'étais au collège, donc encore dans cette ambiance scolaire et tout. Et tout ce que ça peut comporter. Donc voilà, je m'étais dit vas-y, bah, faut que j'essaye ce jeu. J'avais essayé à l'époque, c'était un gros coup de cœur. J'avais adoré, je me l'étais fait plusieurs fois, je me souviens. Et là bah, quand j'avais vu qu'ils avaient fait l'édition, parce que il est remaster un petit peu. Enfin c'est vraiment les remasters de l'époque, en fait ils ont remis un petit peu des textures en HD. Donc là voilà, on a fait le jeu en mode 360 version HD, c'est Bullworth School Edition, je sais plus un nom comme ça, je sais plus exactement, désolé. Mais voilà, le jeu est un peu plus beau. Comme ça, j'ai pu vous le proposer aussi en 4K. Donc forcément, c'est un jeu qui a pris quand même un petit coup de vieux, hein. Vous l'avez vu sur les textures et tout, sur le gameplay, les trottoirs c'est affreux, sur le gameplay et tout. Ça a pris son petit coup de vieux, mais ça a quand même bien vieilli. Pour un jeu sorti en 2006 sur PS2, je trouve que c'est plutôt... bien. Les gars, faites le jeu, vous allez kiffer, vous allez adorer, comme ça vous faites en même temps les missions secondaires et tout, les petits boulots, vous faites le jeu à 100%, parce que là je crois quand on finit le jeu à mon niveau comme ça là, on en est à peu près 52-53%. Donc n'hésitez pas, faites-vous ce petit jeu, moi ça m'a fait vraiment plaisir à fond de vous proposer ça, de vous proposer Bully qui est l'un de mes jeux préférés vraiment, il est dans mon top 20, info sûre. Donc voilà. Et même voilà, enfin comment dire, ça fait combien de temps là à peu près presque 20 ans plus tard on va dire, en ayant grandi, en étant plus mature, enfin plus mature ça c'est pas dit, mais en ayant grandi en tout cas, je peux revoir vraiment que ça me fait toujours autant rire, c'est toujours aussi loufoque, aussi funky. Il y a juste voilà les délires avec le prof de sport là, d'aller faire le pervers avec les gamines et tout ça, je déteste ça les gars, les pédophiles qu'ils aillent tous, bref, on va pas sortir les insultes, qu'ils aillent au diable. Ouais, je peux pas supporter ça. Donc voilà, en grandissant là, je me dis putain, c'était quand même chaud. Mais quand j'étais gamin, j'avais pas pisté le truc en fait. J'avais pas compris le double sens et tout. Même s'il y a pas vraiment de double sens, c'est vraiment flag, hein. C'est un prof qui veut des culottes de gamine. Enfin bref, c'est un autre sujet. Sinon, 99% du jeu, c'est excellent. Vraiment, je vous invite à le faire, les gars. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir à fond. Et voilà.
Objectif accompli, j'aimerais bien mettre un succès. Faudrait que je trouve l'effet succès Xbox là et puis me le mettre. Voilà, proposer Bully sur la chaîne, c'est fait. C'est un grand plaisir. C'est un grand honneur. Un grand honneur. Les, ça y est les gars, que je suis ému, je me mélange un peu. Hein. Bon, les petits potes, voilà pour Bully. 12 épisodes pour tout le mois de mai. Ça aura fait bien plaisir. Là ensuite, on va passer à un petit jeu bonus, un petit jeu surprise. J'ai envie de vous garder la surprise pour le prochain jeu qui arrive là. Mais c'est un jeu assez court, assez rapide. Je pense qu'il prendra 5-6 épisodes avant de commencer l'arc des Metal Gear Solid. De toute façon, l'arc des Metal Gear, je vais vous faire une grande, annonce, une vidéo annonce et tout, vous inquiétez pas. Mais voilà, je vous garde la surprise pour le prochain jeu qui arrive. Et puis voilà, les petits potes. Qu'est-ce que c'est ça? Chapitre 6, un été sans fin. Donc ça doit être encore l'émission secondaire et tout. Ouais, voilà. L'évasion de Galloway, tout ça. Ça, les gars, je vais pas y faire. Je voulais vraiment faire la trame principale et puis finir avec, le générique et tout, hein, comme d'habitude, faire mon petit discours au générique. Donc ça, voilà. Je n'y fais pas, mais je vous invite encore une fois pour la 100e fois, je vous le dis. Faites le jeu, vraiment, vous le trouvez sur toutes les plateformes dispo. Si vous êtes sur PS3, PS4, Xbox One, peu importe. Xbox 360, justement, c'est sur ça que... Enfin, c'est avec cette version-là que je le fais. Faites le jeu, les gars. Ouais, voilà, je pense vous avoir tout dit. C'était un vrai plaisir. J'espère que vous aurez apprécié ce petit let's play que je vous ai fait rigoler par moment. Moi, c'est tout ce qui m'importe. Pas de monétisation, pas de partenariat, tout. Moi, c'est le kiff, la passion du jeu vidéo. Et voilà, la passion du jeu vidéo. Allez, les gars, moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, en tout cas. Je vous dis à très bientôt. Normalement, dans 4 jours, comme d'habitude, à chaque fin de let's play, je laisse 4 petits jours d'attente jusqu'au prochain jeu, histoire de souffler un petit peu. Jusqu'au prochain jeu surprise. Et puis voilà, c'est que le début, on va bien s'amuser encore. Merci à vous les gars, la santé et l'humour évidemment. Et à très bientôt. Ciao ciao. Bip. J'arrête la machine. Bip. Allez. Ciao.